bartenders today are going to be given a secret ingredient that they... Alors vous faites des burgers gourmets? On fait des gourmets burgers et je pense que on a remis le burger sur la map en ayant lancé le Fleur Burger 5000 qui est donc un hamburger qu'on vend à 5 000 $. Non. C'est vrai? Et ça se vend. Et ça se vend. Un burger. Un hamburger. Pourquoi vous mettez des diamants dedans? Non, on sert ça avec un château Pétrus, qui est donc le meilleur vin qu'on puisse boire au monde. Il vient donc de la région du Périgord, de Bordelais, qui ont donc un goût de truffe aussi. Et donc le hamburger, c'est du Kobe beef japonais, avec du foie gras, avec des truffes. Et la bouteille de Pétrus en elle-même, quand même, on vend la bouteille à plus de 5 000 $. En plus du hamburger. Non, mais donc c'est le paquet, on met tout à 5 000 $ et le hamburger plus ou moins est for free. C'est impressionnant ça. Il y a combien de gens qui achètent ça? Pour l'instant, on l'a à Las Vegas depuis à peu près un an et demi. On en a vendu 17. Mais le reste, ce sont des hamburgers normaux. Le reste, c'est des hamburgers normaux.